Et bonjour, c'est la suite de Metroid. Metroid Dread, j'espère que vous allez bien. On est parti. Dans le royaume des Emmys. Ouais. Allez, on se casse, hein. On se casse le plus loin possible de la machine de mort. En espérant ne pas se retrouver bloqué. Yes. Mais là, je passe par où en fait? Oup, 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 oup. Pas cool, pas cool. En vrai, mon instinct me dit de suivre les, ça là. J'imagine que ça, c'est voilà, c'est le bon, chemin. Non. Non mais vraiment. Ah, les meilleurs choix, j'ai l'impression. Yes, hein. D'accord. Ouais, viens. Allez, viens si tu l'oses. Allez, on se casse, on se casse, on se casse. Bonjour. D'accord. D'accord. Ouais, donc juste ça. Après, peut-être les missiles. Ouais, ouais, hein, les missiles, ça a l'air de marcher. Est-ce que les missiles, ça marche sur ça? Non, c'est... non. Visiblement, non. Bon, je vais utiliser tous mes missiles, hein. Pour le peu que je les utilise à côté. Aïe. Ah. Ah. Ah oui, je peux faire ça. Bah oui, non mais ouais, pas à la portée. Vraiment. Bon. Hein, voilà. Tout cassé. Qu'est-ce que t'as là? Voilà, on a une unité de canon méga, voilà. Ouais, 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 viens ici là. Ah. Maintenez elle proche. Oui, oui. D'accord. Donc là, je fais chauffer le blindage, bam. Ah oui, non, mais il fallait que je fasse un peu plus loin peut-être. Gatlingen. Ah ouais. Ah vraiment, il faut que... là du coup il faut que je fasse ça. Eh ben, c'est laborieux. Ouais ouais. Ah oui, non mais oui. Non mais non, non, va-t'en! Non mais c'est méga chaud! Oh non mais non, 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 non. C'est bon. On refait le tour. Non mais vise-le!
Non mais ah oui, mais c'est vrai qu'il faut que je maintienne à la base. Je spam comme un connard, mais il faut que je maintienne. Heureusement, il est full con. Ah. Ouais, c'était un peu. Ouais. Ouais. J'ai oublié de mettre la cam. Ouais, c'était peut-être un peu ballsy. Mais en fait, non, il fallait spammer. Bah, non, justement, non. Voilà. Voilà. Simple en vrai. En vrai, c'était simple, hein. C'est facile. Et de deux. On a obtenu l'arachno-aimant. On va pouvoir s'accrocher au mur. Divers. Permet à Samus de s'accrocher au mur et plafond de substance magnétique bleue, à l'aide d'un champ magnétique. Incliner elle dans la direction de certains murs et plafonds pour les agripper. Très bien. Voilà, bon, oui, elle se colle contre lui. Ok. Bah parfait. Parfait tout ça. Canon méga épuisé, déconnecté, retour au canon ordinaire. On sait. Voilà, c'était marrant de faire ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, mais on peut plus. Ah, mais elle va bien la zone maintenant. On est bien dans cette zone finalement. Bon, y'a quoi à faire ici? Ah, par contre. Ah, si, je peux me raccrocher derrière. Ok, ça va. Mais non, mais quel con. Et là, on est d'accord que. Attendez, là y'a quoi? Mais là y'a plein de trucs. Réserve de missiles et tout. Hop, 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 hop. Ah, mais non, mais je peux pas. Pourquoi la zone est glacée d'ailleurs d'un coup maintenant? Hein? Ouais. Non. C'est pas mal. Alors ça, on peut le détruire? Non. D'accord. Hein? Mais... Genre y'a rien. Genre y'a rien. Oh, oh, oh ouais. Oh, ça c'est un wall jump comme je les aime. Voilà, réserve de missiles. Ça c'est fait. Ok. Et en bas. En bas, ah si, en bas ça nous mènerait vers une réserve de missiles aussi. Bon, allons vers là. Non mais, quelle connerie. Ah non, mais je peux pas y accéder là. Ok. Ah mais là. J'ai pas le truc pour ouvrir encore. Ok. Là, je suis jamais allé. Donc, allons-y. Mmh.
Ah oui, ah bah oui. Mais allez, vas-y, attaque-moi. Bah. Ah. Bon, à chaque fois je lâche le rayon chargé trop tôt, mais ok. On peut monter par là, mais allons là parce qu'on a affronté le grosse brûle là. Le grosse bulle là. Salut le chozo. Eh bah c'est parti. Hein? Comment ça? Ah ok. Ah non, peut-être que... Peut-être que les attaques chargées lui font des dégâts dans la tête. Ah ouais, mais comment je fais là? Ah, peut-être que je peux faire ça. Ok. J'avais pas mis la cam, donc pas besoin de m'enlever. Passe 2. D'accord. Bah ouais, mais ouais, bah ouais. Allez. Touché. J'ai voulu contrer, mais... Ah mais non, mais... Hein? Mais... J'essaie de contrer à chaque fois, hein. Je le jure, hein. Ah, mais... Mais à chaque fois, elle veut pas, elle a pas le bon timing. Soit c'est trop tôt, soit trop tard, hein. On va essayer de le spammer, hein. On a vu Samus. Je sais pas, fait gaffe si on l'avait vu les fois d'avant quand elle se détruisait l'armure. Qu'une attaque n'est inévitable. Oui, non mais j'ai... Oui, je me doute. Je me doute qu'elle est pas inévitable l'attaque, mais Ah mais j'ai pas essayé de... J'ai pas essayé de dasher. Ah, je peux pas ouvrir. Ok. Ça règle la question. Oh, je l'ai laissé me bourrer comme un sac. Hein. Ah pareil, j'ai pas regardé si je pouvais counter les petites merdes. Ok.
On va essayer de lui... Oh, oh ouais. Je les skip les missiles, hein. Ah ça, ça, ça... Strat plus ou moins speedrun validé, hein. On l'a défoncé, la P2. Bon, là, on fait comment? Bah là, il nous montre son cul. Super. Ah mais oui, non, mais voilà, ouais, ouais, en vrai, c'était vraiment ça. Ah, il... J'aurais pu counter. Je sais pas si je l'ai fait, mais j'aurais pu counter. Ouais, j'ai pas pensé à la roulade, quoi. D'accord, en fait, ouais, c'est ça. Non, mais vise. Ah, oui. Non, mais qu'est-ce que je fais? Ah! En fait, je bait le. Je lui bait une attaque, mais à chaque fois, j'arrive pas à bien le faire. Aïe. Oh, le pire. Les pires missiles, hein. Ouais, bon. Oui, les missiles. Ouais. Ah, d'accord. Bon, j'ai pas eu le bon timing. J'ai voulu spammer X, j'aurais pas dû. Ça parce que j'essayais de péter le truc. Aïe. Non mais il meurt jamais ce boss? Non mais vise un peu, quel enfer! Pourquoi je me sens obligé de spammer à chaque fois? Ah. Ok. Ah ouais, c'est moi qui charge, hein. C'est moi qui joue là, hein. C'est moi qui jouais là, trop bien. Excusez-moi, je m'y attendais pas. Allez. Là, c'est pas moi qui fais. Et on obtient le camouflage spectral. Très bien. Non mais c'était trop stylé en vrai de pouvoir jouer dans la cinématique là. Mise à jour de la combinaison pour la compatibilité Aéon. On pourra aller dans le feu, c'est ça? Camouflage spectral. Compétence Aéon qui rend Seimus invisible aux yeux des ennemis. Oui bon, réfractant, ouais voilà. Ah non, elle peut se déplacer aussi en silence mais plus lentement. Très bien. Ah ouais. Ah ouais, on l'a vu sur le côté là, trop bien. Pas trop bien, non, non, je vais péter un câble, mais... Ah ouais. Ah ouais, tu peux te mettre en mode invisible et du coup, il te capte pas. Lorsque la jauge d'Aéon est pleine, appuyez sur R pour l'activer. Appuyez à nouveau sur R pour le désactiver. Pendant que la compétence est activée, la jauge d'Aéon se vide lentement. Se déplacer ou tirer lorsqu'elle est activée consomme de l'Aéon supplémentaire. Une fois toute la jauge d'Aéon vide, le camouflage spectral consomme l'énergie vitale à sa place. Ah,
Énergie vitale, énergie vitale atteint 1, il se désactive automatiquement. Après désactivation, l'Aéon commence à se recharger automatiquement dès que Saïmus réalise une action. D'accord. La compétence ne peut plus être utilisée à nouveau tant que la jauge d'Aéon n'est pas remplie. Ok. Donc là, je fais ça. Là, ça se recharge pas parce que je fais rien. Là, je fais une action. Ok. Ok. Trop bien. Trop bien. Le boss. Trop bien, la zone. Bah, let's go, hein. Ah! Et du coup, là, il faut que je fasse ça. Ah ouais, je pouvais pas me déplacer plus vite que ça, ouais. Ce qui est pas plus mal, en vrai. On a dit ça. Je sais pas trop où on... Ouais, si, on peut aller par là. Un jour, je vais viser. Promis. Par contre, ça diminue vite, hein. Oh, on fait plus de dégâts aussi, j'ai l'impression. Là, il y a un Amy. Ah ouais. Ah non, pas forcément. Il y a un objet. Oui. Ouais. Ah bah oui. Bah très bien. Parfait. Réserve de missiles augmentée. Trop stylé. Je sais pas où je vais là. Hein. Comme d'hab. Je pense que ça va être classique dans ce let's play. Alors que le fond vert, évidemment, magnifique, magnifique ombre du fond vert. La map. Ah mais là c'est une zone où il fait chaud. Non mais là c'est les zones où il fait chaud. Donc c'est mort. Je pense pas que ce soit par là. Après c'est bien, j'ai récupéré des missiles. Hein. Mais je pense pas que ce soit par là quand même. Ouais. Est-ce que ça peut être là-haut? A priori non. Donc là ce serait par où? En vrai ce serait par où là? Par là. Point d'interrogation pour... Ouais ouais ça a l'air d'être par là. Ah quoique. Je sais pas, c'est pas clair. Hein. D'accord. Bon. Ah mais je peux pas passer là. Alors comment je les reconnais les portes? Voilà, c'est une réserve missile non obtenue. Comment je reconnais les portes? Porte rayon de puissance. Les portes à camouflage, porte de zone ennemie. Attendez, il devrait y avoir un autre type de porte là. Pourquoi je le vois pas? Bon, je pense qu'il faut que j'aille par là en vrai. Ah voilà, porte à verrou sensoriel. Ah non, oui, voilà, ok, c'est ces portes là. Ah donc il y en a une là. Ah oui, si, ça pourrait être par là en vrai. Je pourrais continuer par là. Porte à rayon de puissance. Ok, j'aurais pu aller là. Ah mais ça c'est le début du jeu je crois. Ok. Du coup retournons en arrière. Hein. Oui. Ah, il me capte même là. Mais non. Ah, je pouvais pas l'utiliser parce que ma jauge était pas pleine je crois. Et là je peux re-peu utiliser. On va esquiver les ennemis. Hein. Ah
Aïe. Ah non, c'est bon. C'est bon, je l'ai eu. C'est stylé. Ah, je suis sûr qu'il y avait un truc. En vrai, non, il faut que j'attende les étincelles jaunes, hein. Ouais, voilà. Dès que ça brille. Hein. C'est ça le meilleur timing pour le contre. Allez, on y retourne. Meilleur timing. Nouvelle zone. Nouvelle zone. Qataris. Non. Pas tout de suite. Oui. Allons-y. Très bien. Dirigeons-nous à Qataris. Pas de soucis. Du coup, direction nouvelle zone, hein. Et paf, nouvelle zone. Mais je reconnais, c'est un temps de chargement, ça. Ça lagouille même. Et nous voici en Qataris. D'accord, donc voilà, le 0%... Le 24% c'est Artaria et là c'est ok. Très bien. Ok. Bon bah let's go. Explorons cette nouvelle zone. Ouais. Ma foi fort accueillante. Ah voilà, j'allais dire au bout d'un moment ça se détruit. Ça détruit pas, mais si. On peut passer par là aussi. D'accord. Non, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Ah, mais... Ah. Petit problème dans la zone. Alors, très, très léger problème dans la zone. Il fait 2000 degrés. On va retourner en Artaria. Changement de plan. Backup mission. Abort mission. Tandis que le retour du temps de chargement. Bon. Du coup, je suis un peu embêté là. C'est pas par là quoi. Ah. Regardez pas les bonnes étincelles, quoi. Non, mais en vrai, le mieux, c'est quand même de les observer. Hein. En tout cas, pour eux, c'est de les observer, quoi. Ouais. Bah, du coup, plan initial, hein. On va retourner à tout à gauche. Non, pas là. Ouais, je perds de la vie trop vite. Hein. Et ça, je me rappelle sur Fusion, moi, ce genre de zone, je m'amusais à essayer de passer. Quand je commençais à me perdre. Ok. Ah, donc finalement, plus efficace de contrer, que de contrer, c'est d'attaquer direct. Hein. Ça marche bien aussi, quoi. Faisons ça. Ça me recharge pas ma vie. Mais ça, je sais pas ce que c'est. Je peux pas savoir ce que c'est, quoi. Mais rien ne marche, ouais. Et là, bah là, je peux pas y aller, quoi. Bon. Coup dur, hein. Aïe. Ouais. Mais non.
Donc là, je peux pas y aller. Faudrait que je passe par le bas. Bon, ça tombe bien. On a justement ce qu'il faut pour passer par le bas. Fais chier. Mais fais chier. Boss vaincu. Bah ouais, on a vaincu Corplus. Ouais. Ça y est, vous voyez, je suis déjà perdu dans la map quoi. Hein ? Qu'est-ce que tu fais là toi ? Bon, essayons d'analyser le terrain. Parce que là du coup en fait le problème c'est que là je peux pas passer. Là je peux pas passer non plus. Ah non, là y a no way non plus hein. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je passe par là. Le problème c'est Qataris. Qataris, ça avait pas l'air très accueillant hein. Ça me paraît étonnant en vrai. Je pense que ça marche pas. Je pense. Ouais. Non mais du coup j'imagine que c'est quand même à Qataris hein. D'accord. Ah en plus non mais si. Je crois que j'ai pas sauvegardé depuis longtemps par contre. Mais ouais ouais non on a je non il fallait pas passer par là en tout cas. Non mais parce que du coup ça veut dire que. Ah après si ça me renvoie à Kata. Non. Ah oui non mais ça me renvoie là mais juste mais au bon endroit finalement. Hein oui oui. Parce que je veux aller à Qataris. Mais quoique la map elle me donne des signaux jaunes et rouges sur je comprends pas. J'ai les portes sensorielles. Et là on propose d'aller dans un endroit où il y a de la lave. J'ai l'impression qu'il y a un truc que en fait je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plein de zones auxquelles j'avais accès, je peux plus y accéder là. C'est un peu c'est bizarre. Est-ce qu'il faut vraiment que j'attende d'avoir la boule ou est-ce qu'il y a un endroit où j'ai pas regardé où je peux passer quoi? C'est ça la question qu'on me pose. Bon, est-ce qu'il y a un truc là? Voilà. En fait, c'était ici. Ok. Aïe. Aïe. De la vie. Ok, bon là il y a une porte. Adam. Retrouvons Adam. Parle-nous, Adam. Cette DR semble fonctionner grâce à l'énergie thermique. Le magma est pompé de l'intérieur de la planète et acheminé depuis ici. J'ai localisé le système de contrôle central d'acheminement du magma. Il se trouve ici, à Qataris. Samus, ta combinaison actuelle ne peut pas te protéger dans ton exploration de Qataris. Elle ne résistera pas à la chaleur extrême de la lave. Tu dois absolument éviter les zones de haute température. Il semblerait qu'il y ait une navette quelque part au-dessus d'ici. Utilise-la pour
c'est pas déjà ce qu'on faisait en vrai? Les contourner? Sache que le flash spectral réduit grandement ta mobilité, et un contact direct avec un ennemi finira toujours par ta capture. Évalue au mieux tes possibilités, et reste à l'affût de ceux qui t'entourent. Le camouflage spectral est inutile une fois qu'un ennemi t'a repéré. Tu dois échapper à la capture jusqu'à ce qu'il arrête de te poursuivre. Le camouflage spectral peut rester actif une fois ton haillon épuisé. Il consommera alors ton énergie vitale. Ceci doit être un dernier recours. Sache qu'il ne peut pas réduire ton énergie à néant, donc une utilisation judicieuse de cette technique augmentera tes chances de survie. Ok. Bon. Bon, après, il nous a refait le topo, hein. Globalement, oui, on savait, Adam. Merci, Adam. On va pouvoir contourner les ennemis. Ouais. Non, mais laissez-moi activer la cam, là. Supportable. Voilà, j'ai. Non. Non. C'est non. Allez, on va par là. Mais. Apprendre à viser. Quoi? D'accord. Ok. Donc là, c'est de là d'où je viens. Alors là, ça vient. Là, ça va où? Ah, les contres, mais vraiment, c'est trop bien. Trop bien, les contres. Y'a rien à faire, là? Ok. J'accepte, hein. J'ai pas le choix, donc j'accepte, hein. Non, mais arrête. Allons par là. Ah ouais. Non, il faut quand même taper, sinon il tape. Non, ça aurait été trop beau. Redirigeons le flux d'énergie thermique. Voilà, oui. Oui, le flux de carburant thermique a été dévié, propagé, je ne sais pas. Ah merde. Ah. Hein? Ah oui, voilà. Donc oui, en fait, je pouvais bien faire une roulade, ce que j'essayais de faire, sauf qu'il n'y avait pas encore le trou, quoi. Ça n'aidait pas. Ah, et finalement, cette salle sert à quelque chose. Voilà. C'est beau, la vue. Et du coup, ça remonte. Ah ouais, mais ouais. Pas que ça, moi, ça. Voilà, chais. Bon, bah, on va passer par là. Ok. D'accord. Je pense pas que je puisse contrer ça. Ouais, c'était... Ouais. Je l'ai tenté, hein. Oh, c'est marrant, ça. Là, ça m'indique qu'il y a un truc caché. Là. Où est-ce qu'il peut y avoir un truc caché, ici? Non, mais... Là, je quitte la zone, donc mais non, mais pourquoi j'utilise des missiles? Saloperie. Pourquoi il a respawn, lui? En vrai, je veux trouver le secret, là. Ah, voilà.
Mais j'ai pas le truc pour. Ah si, peut-être. Non. Je n'ai pas encore le S de Seimus. Tu m'as saoulé, toi. Trop tôt. Allez, on va là. Ok. Ah. C'est raté. Ouais. Je sais pas pourquoi j'aime pas aller dans les portes que je déverrouille en première. Ça a l'air simple. Pas comme zone. Ça a l'air sympa comme tout. Et on rentre dans une zone AMI. Yes. Le plaisir. Ah, un petit EMI pour finir. Ah voilà, le EMI jaune. Peut-être plus vert en fait. Je sais pas pourquoi au début je pensais qu'il était jaune, mais en fait... Ah ouais, ouais, ouais. Il est vert pâle, quoi. Il est vert clair. Ça prête à confusion. Attends, Seimus a été plus intelligente que moi. Hein. Moi, j'avais oublié. Hein. Ouais, ouais, contact avec un ennemi vous mènera toujours à la capture. Là, là, là. Raté. Bonjour. D'accord. Là, j'ai eu zéro chance de survie, quoi. Non, non. Je voulais pas faire ça. Mais non. Je voulais continuer. J'ai appuyé sur B par panique. Allez, Zemi, ça va être un problème. Ça me fout un peu la pression, quand même. Ah non. Ah yes, c'est un coup dur. Bah, c'est parti pour le speedrun. Ah bah non, parce que là on est... Si. Bah on profitera pour aller dans les salles, on n'est pas allé. Bon. Bon là du coup on n'était pas allé. Et là non plus. Mais au moins on sait. Au moins on sait que les zones où on peut pas aller, c'est le démon. Non mais... Voilà. Ok. Bon, par contre, le problème, c'est que... Amy, je peux faire ça. Et courir. Je veux dire, après tout, je peux très bien faire ça. En vrai, là, il sait plus où je suis, normalement. En vrai, normalement, là, il est loin de moi. Je voulais voir à quoi ça ressemblait en bas. Voilà. On s'en va. On s'en va, on redirige. Voilà, voilà. Le flux de carburant a été redirigé. Tout va bien.
On est bien. On sauvegarde. Voilà, on a validé. On va continuer encore un petit peu. On continue encore un peu. J'ai l'impression. Je sais pas. Bon, en fait, on a. Ouais, on a mis du temps à comprendre qu'il fallait vraiment qu'on aille ici. Donc, ouais. C'est quoi cette saloperie là? Ah, ils vont dans leur nid. Trop marrant. Ah ouais. Bon, c'est dommage qu'il fasse chaud ici, mais c'est bien quoi. Ok. Bah du coup, retournons à la zone de la mort, hein. Visiblement. Pas passer là. Ouah, ouah. Mais non, mais vas-y toi. C'est passé hein. J'ai envie de vous dire c'est passé. D'accord. Ouais. Et là, il va faire chaud aussi. Mais il fait chaud partout. Quel enfer. Ah non, pas là. Ah, et j'ai activé les plateformes qui n'auraient pas marché sinon. Donc j'ai bien fait d'aller là. Incroyable. Ah oui, non mais d'accord. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je les ai pas touchés eux quoi. Allez, viens. Saloperie. Bon. Non mais non. Voilà. Je peux pas. Je peux pas encore ces portes là, moi. Et là on passe en haut ou en bas. On va commencer par là. Ah mais non. Là on connaît. Et là c'est désactivé. Maintenant c'est activé. Ok. Et là on redirige le flux. De nouveau. Très bien. Ok. Ah, et on peut enfin passer par là. Parce que là, on pouvait pas y aller avant. Ah non, si, on pouvait y aller. Oh, je sais plus. Bon, en tout cas, voilà. Ça, je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je l'ai fait. Ça m'a fait plaisir. Ah ouais, mais on re-rentre dans la zone de l'Emi. Est-ce qu'on se fait l'Emi avant? Allez.
Remettons-nous en situation de face-to-face avec, avec Lemmy. Ok. Donc là, il faut que j'active un truc. Très bien. Mais c'est pas du jeu, ça! Je fais comment, moi? Je peux aller là. Allez, ouvre-toi. Ouais. Ouais, mais non. Bah non, c'est pas bon là. C'est pas bon. Ah ouais, mais ouais. Bah ouais, mais tu le fais exprès aussi! Raté. Bah ouais, mais en même temps, Lemmy il vient pile sur ma gueule alors que je suis camouflé, quoi. Quel enfer. J'étais sur le chemin d'Emmy. Ouais, bah oui. J'allais t'en parler. Non. Mais putain. Ok. Allez. Là, on va faire le tour comme on voulait le faire à la base. On va voir ce qu'il y a derrière. Là. Voilà. Alors, techniquement, je suis encore dans la zone de Lemmy, mais je me sens safe là. Je sais pas pourquoi. Sûrement une grosse erreur. Ah oui, non, lui, Lemmy peut venir de là. Ok, ouais. Ok, ok. Oh. Marrant ça. Ça sent le boss ça. Du coup, ça veut dire qu'on va avoir un point de sauvegarde. Pour avoir le boss dignement. Bon, ils sont généreux sur les paris, j'ai l'impression quand même. Ok. Bon, y'a quoi là? Superbe. La combinaison de feu. Mais non!
Voilà. Oui, bon. Hein, les ennemis. Voilà, Adam. Revoyons Adam. Notre ami Adam. ENI est l'abréviation d'explorateur mobile multiforme interplanétaire. Des processus d'optimisation lui permettent de modifier et d'améliorer ses propres compétences. Ouais, ça se voit, hein. Et visiblement, il a amélioré sa compétence intelligence. Tous les ennemis que tu croiseras disposent par défaut d'une capacité de transformation qu'ils utilisent pour circuler dans les espaces étroits. Ils s'en serviront probablement lorsqu'ils te pourchasseront. Tu ne peux pas détruire le revêtement de leur armure. Ce serait le cas même si tu étais au mieux de tes capacités. Tu fais face à une force qui te dépasse. Accepte ton impuissance. Étudie chaque ennemi avec attention et sers-toi du camouflage spectral pour avancer. Cette approche comporte des risques. Le camouflage spectral réduit ta mobilité et consomme plus d'aïons quand tu te déplaces ou quand tu tires. Mais elle demeure ta meilleure chance de survie. Tu ne dois pas hésiter à détruire un ennemi chaque fois que tu trouves plus d'énergie singulière. Cela ne faisait pas partie de tes priorités de base, mais je ne vois pas d'autre moyen pour toi d'accomplir ton objectif. Ces menaces létales ne peuvent pas être tolérées. Bon, ça va, j'ai le droit de détruire les ennemis finalement. Nos précieux spécimens. Hein, voilà. Les précieux spécimens, bam. Enfin, bam. Pas vraiment bam, hein, du coup, mais. Ah. Alors que le prochain ennemi, il est là. Il est là. Il nous regarde. Bah, écoutez. Voilà, on a avancé. On a découvert un peu la nouvelle zone du jeu. Enfin, on a découvert. Ah. Ah, il fait mal, hein. Mais... Hein? Pourquoi je voulais pas... Non, mais j'ai envie de me faire mal, visiblement. J'ai envie de mourir. Je pense que pour clôturer la vidéo, une petite mort là, c'est pas mal. Ah. Voilà, on aurait été meilleur. Il y a rien là. Ah si. Si, 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 il y a un truc, voilà. Il y a un truc, il y a le feu. Bon. Du coup, si je me mets là, je peux sauvegarder, c'est ça? Voilà. On va sauvegarder là. On a 2 de vie. Ouais. Voilà, on va se mettre comme ça parce que sinon ça fait ding 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 toutes les 2 secondes. Il y a 12 milliards d'objets de réserve. Ah, c'est pas l'air d'être une réserve de missiles, ça a l'air d'être missiles plus plus. Il y a 12 milliards d'icônes partout en fait. Il y a pas de légende. Hein. Non, attendez. Ah là, ça me sélectionne sur la map tous les... Ah ouais. Ça me sélectionne sur la map tous les points comme ça. Ok. Ok, ok, intéressant. Bon, très bien. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite d'Untro Let's Play sur Metroid Dread. Prenez soin de vous. C'était Blue. Bye bye.